Guides religieux pour venir de différents villages, de différents. Et certains le temps de parcourir le village, mieux le connaître. L'artiste David invite Thomas 3 minutes d'intervention. Merci. Le Bougaïen, Antoine, Brahwa, Claude, Etienne, le baron est Tchiti, Ayakoutou. Le baron est Tchiti, Ayakoutou. Le maire, Dominica, est passé, le Boulonésien. Le Kaki, le Boukouen, le Kolé, Kaba, et Bakoube, Dion. Après Assine Dondon, Louvalo. Louvalo Moumaye, Louvalo Mfoye, Louvalo Tontoye, Louvalo Kamaye, Louvalo Akouye, Louvalo Genepa Akoumo. De répondre à notre invitation par votre présence massive, distinguée, à l'occasion de la cérémonie d'intronisation de notre nouveau chef, chef Couture Baba Claude Etienne, ce samedi 12 mars. Cela demande de votre attachement à la culture générale et à l'organisation socio-politique et culturelle en notre pays à Caen. Je voudrais remercier toutes les personnalités qui, sans aucune hésitation, ont donné leur caution pour la réussite de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de vous témoigner de notre profonde et sincère gratitude pour l'expression de la solidarité culturelle que vous manifestez à l'égard du village d'Aboua. Il lui a remis le sabre sous vos ovations bien nourries. Mesdames et Messieurs, il disait qu'il y a une personnalité. Boisson obscure. Et c'est lui qui reçoit ses attributs. Et bien, à Aboua, voici Valentin. Le doyen d'âge de la génération du bon pose donc la question à Valentin de savoir si vous avez un chef. Avoir cela, Vous êtes un bon,
Mettons notre confiance en toi. Et parce que nous en sommes convaincus que Dieu est avec toi, qui donnera un nouveau visage à ce village. Il a reçu ses attributs de tout. Ses attributs qui font de lui un compte de son il a reçu la bénédiction de sa père. La suite de laquelle il procédera à la remise de l'arrêté de nomination au nouveau chef. Coutume a dit que tout peuple qui s'appuie sur sa culture, ses traditions, ses us, ses coutumes, pour promouvoir son développement, parvient à un épanouissement et un développement harmonieux. C'est pourquoi je tombe toujours en admiration face à vous les agents en particulier et les peuples lagunaires en général. Population d'Ababou, à l'instar de presque tous les villages agents, le changement de génération donc de gouvernance, bien que régi par des règles coutumières, a entraîné des soubresauts, comme tout changement d'ailleurs. Mais la sagesse avec laquelle vous avez amorcé ce village pour parvenir enfin à l'investiture ce jour de votre chef, le chef Coutois Brouin, Claude Etienne, est l'expression de la volonté des populations d'Ababou, dont la grande majorité a regardé dans une seule direction, la direction du développement, de la cohésion et de la paix dans votre beau village. Je ne ferai pas de rencontrer M. Kaba Laurent tout à l'heure et lui dire que je suis venu, j'ai vu, j'ai entendu. Tout s'est bien passé. M. Coutouin est vraiment le chef d'Ababou. Il est impérieux que le village d'Ababou rassemble tous ses fils d'Ababou. Les quatre classes se retrouvent autour de celui qu'on a choisi comme éclairé pour qu'il puisse développer le village d'Ababou qui a des potentialités réelles. Il y a besoin d'unité, de sérénité et surtout de contribution de chacun. Parce que seul, même si les dotés de l'intelligence, il ne croit pas. Je suis dans une classe d'âge à Ababou. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vous a attendu. Le papier qui fait de vous chef. Nous sommes tous dans la même maison. Nous devons travailler ensemble pour que la cohésion règne dans ce monde. Encore que je suis chargé de veiller sur la paix et la cohésion, moi je serai à tes côtés. Je prends mon part dans la suffisance, le triomphalisme, pour dire que tout le reste n'est que non. La paix est une quête permanente et quotidienne. À bout à bout. A besoin de rassembler tous ses enfants, tous ses filles et tous ses fils. Et je vous ai dit, je serai à vos côtés et de venir dans le village. Ça va nous prendre du temps, de l'énergie, de la patience, mais il faut qu'on y parvienne. De sorte que ce soit la dernière fois que nous autres venons assister à une cérémonie d'intronisation des chefs en pays d'accueil sans que ça ne rassemble que les maillons de la chaîne. Et vous savez de quoi je parle. Et quand un maillon manque, la chaîne peut être grippée. Donc vous devenez ce matin la poubelle d'Ababou. Ceux qui ne sont pas là,
ceux qui sont là, ceux qui peuvent avoir autre chose à dire, ensemble, nous allons conjuguer nos efforts pour que tu sois un grand chef, parce qu'un grand chef, c'est celui qui règne sur un village paisible. Alors, donc, bonjour à vous. Je suis l'honorable Kamboké Mamadou Mokhtar, donc député de Bouna. Je suis là effectivement pour représenter le peuple, le frère du Bounkani, auprès de celui de la Guabou, avec qui nous entretenons des relations vraiment fraternelles et aussi culturelles. Il faut aussi dire qu'au passage, j'ai été intronisé dans ce village et j'ai eu aussi à faire des lotissements dans le village. Et donc, je suis aussi opérateur dans le village. Donc, je veux soutenir mes frères et amis pour cette cérémonie. Je suis M. Kouala Célestin, directeur général de l'Ontario et du cadre du ministère de la Construction, mais je suis ici beaucoup plus en tant que fils du village. Et surtout dans le cadre de la réconciliation nationale. Vous l'avez dit, le ministre de la réconciliation nationale, il s'agissait de l'installation de notre frère, le chef du village d'Abobo, et le ministre l'a si bien dit, ben, il faut que partout la question de la réconciliation sur la table, que nous soyons là pour apporter notre soutien et solliciter, n'est-ce pas, tous les fils de se mettre autour de notre chef pour une gestion durable. Qu'il me soit ainsi permis de saluer tous les invités ici présents pour leur soutien divers. Aux personnalités qui ont accepté de m'accorder leur caution morale et matérielle pour la réussite de cette fête, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance. Votre présence à mes côtés en ce moment précis rehausse la qualité de la cérémonie, mais mieux marque le témoignage de votre disponibilité à m'accompagner dans mes nouvelles charges. Je mesure la lourde responsabilité qui m'attend dans l'exercice de cette nouvelle fonction, mais en m'appuyant sur Dieu par les prières. Amen. Il me donnera la force et les ressources nécessaires pour être à la hauteur de la mission. Cependant, face aux défis auxquels le village est confronté, je prends l'engagement de travailler avec toute la génération Tchaba pour trouver des solutions à la stabilité du village, à la protection du pouvoir foncier, au développement du village, par des investissements importants et au problème de l'insertion des jeunes dans le tissu social et enfin à la question de l'autonomisation des femmes. C'est aussi l'occasion pour moi de lancer l'appel solennel à l'endroit de certains de nos amis Tchaba qui se sont mis en marge du fonctionnement de la génération. Je les invite à regagner le groupe et je leur tends la main pour qu'ensemble nous travaillions pour un développement harmonieux de notre si beau village.